Aux membres du corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux policiers de France et des dom-toms. Mes chers amis, gendarmes et policiers de France, pour commencer, je vous informe le cas échéant de la diffusion générale en cours d'une saisine que nous, alors le CNT par ma voix, avons effectuée en direction des officiers généraux, supérieurs et subalternes, qui commandent en l'occurrence les gendarmes de France. Je veux rappeler ici que les séries de décrets imposés de façon tyrannique ne reposent aucunement sur des considérations scientifiques, mais tiennent uniquement de l'ordre du dogme fallacieux, du fait des imposteurs de la politique. Ces traîtres à la nation qui, au contraire, renient en bloc les faits scientifiques et médicaux les plus élémentaires. Ces traîtres à la nation sont par ailleurs secondés de façon déterminante dans leur tâche diabolique par le conglomérat de vendus se prétendant journalistes ou experts. Ça n'est certainement pas vous, gendarmes et policiers, qui allez balayer ces faits d'un revers de la main en invoquant la théorie de complot ou le complotisme. Car un gendarme ou un policier qui enquête, c'est-à-dire qui considère une scène de crime, il dresse des constats, en relève les indices, puis élabore autant d'hypothèses de crime qu'il est possible d'imaginer, est par définition un complotiste. Par l'usage de la croyance et de la peur, les deux éternels piliers de la manipulation collective de l'esprit, crée une ultime et profonde division du peuple, qui voit les esprits les plus manipulés, c'est-à-dire peut-être la grande majorité actuelle du peuple, de par la peur, devenir dangereusement agressif envers celles et ceux qui sont conscients et réellement informés. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du fond du cœur, croyez-le, mes chers amis, gendarmes et policiers, mes chers amis de nos forces publiques, une excellente année de combat contre les forces du mal et contre l'ennemi intérieur, pleine d'occasions en or de faire preuve de courage, d'héroïsme, de don de soi, d'expression du sens du devoir, et du sens de l'honneur.